prie, merci. Gaëtan, là, après cette journée de course de côte, avec des conditions climatiques un peu particulières quand même, parce que c'était humide avec des endroits secs, ça a donné quoi au niveau de la performance? Mais très content, parce qu'on a amélioré du début à la fin en fait, malgré la pluie, et une bonne journée, ouais.
Donc là, c'est un retour cette saison après une année compliquée. Ça doit faire plaisir de retrouver des sensations. Ben, ça faisait 2 ans que j'avais pas roulé ici. Et ouais, c'est merveilleux. Ben, en tout cas, vachement content pour toi. En espérant que les résultats continuent à suivre comme c'est là et que le plaisir soit là dans l'auto. C'est bien parti. En tout cas, je pense qu'on peut remercier les sponsors qui te permettent de rouler quand même. Eh oui, c'est mon père et mon frère qui travaillent sur la voiture et qui me l'emmènent partout. Donc en tout cas, bah, merci voilà. À eux, je pense, parce qu'un grand merci de pouvoir travailler sur l'auto. Et donc c'est l'occasion de les remercier. Puis bah, félicitations pour la course. Bah, et merci. Puis bah, on se retrouve pour une autre occasion. Oui, c'est comme ça. Pas de soucis. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Tout simplement une journée compliquée en termes de conditions, c'est-à-dire que bah pour tout le monde, hein, rouler sous la pluie, on a toujours des appréhensions parce que c'est pas le terrain qu'on pratique le plus souvent, mais en ayant des bons réglages et des bons pneus, on arrive à faire des bonnes choses, en étant confiant dans sa tête. Et puis bon, j'étais un poil au-dessus de tout le monde toute la journée, mais comme tu l'as dit à la dernière, la météo, bah, ça a bien séché. Il y a eu un malheureux arrêt de course qui dû à un copain qui s'y met. Du coup, ça nous fait attendre une pression de fou dans la bagnole parce que j'apprends que mes copains m'ont battu au niveau chrono. Du coup, bah, y a pas, hein, il faut se cracher dans les gants pour y aller et puis essayer d'améliorer ce qu'ils ont pu faire tout en faisant gaffe parce qu'il y en a un qui s'y est mis. Donc ça reste encore piégeux. Donc du coup, bah, la dernière, bah, concentration maximale et puis on attaque comme on sait faire, comme on en a l'habitude. Et puis ça paye et puis à l'arrivée, bah, que du bonheur. Que du bonheur, voilà. Parce que les résultats, là, ça fait un moment que ça suit. Pour la saison, on espère que ça va suivre. Et c'est quoi ton programme, du coup? Mais pour la saison, ouais, c'est vrai que c'est ma 3e course. La première, je fais 4 au scratch parce que c'était une course où je me mets une boîte l'année dernière. Donc c'était un peu dur de s'y reprendre. La deuxième, je la gagne et je pulvérise le record de l'épreuve. Et ici, je regagne aussi sous la pluie séchante. Et donc ouais, non, le début de saison, c'est que du bonheur. Et la fin de saison, l'objectif principal, c'est la course de Côte du Mont d'Or. Donc on va aller se battre contre les grands, les vrais montagnards. Donc voilà, l'objectif sera de bien faire et figurer au mieux au classement, mais déjà l'objectif sera de bien faire, quoi. Une semaine après le rallye de la Lys, justement, on retrouve sur une course de côte, une course totalement différente, où là, il faut s'adapter à une nouvelle auto, parce qu'il fallait passer de la Mitsu à une monoplace. Ouais. Ça a donné quoi ce week-end? Compliqué, très très compliqué, si tu veux, parce que tu l'as dit, tu le dis toi-même, hein, c'est qu'il fallait s'adapter à Mitsu. Moi, encore une fois, je débute même dans le rallye. Là, quand Patrick Perrette, qui est le propriétaire de la voiture, a fait l'acquisition de cette auto, il m'avait parlé de ça il y a quelques mois. J'ai dit, écoute, Patrick, si t'achètes ça, ok, c'est à côté de la maison, donc je veux bien faire la course de Côte d'Hercin. Et en fait, tu t'aperçois que bah, c'est du pilotage. C'est... Là, en fait, on a eu de l'eau et du glissant tout le week-end, donc avec des engins de guerre comme ça, et quand tu t'appelles pas Schumacher ou Walter Rohrl ou je ne sais qui, et que t'as pas forcément le talent de ces pilotes là, c'est compliqué à gérer quand ça glisse. On l'a vu là dans la dernière montée, forcément. Si... En fait, j'ai été moi sur des œufs tout le week-end. En plus, si tu veux, ce sont des voitures, des monoplaces, le châssis ne téléphone pas, toi, ça prévient pas si ça bouge. En rallye, tu sais, tu t'es bien calé dans l'auto, tu arrives encore à savoir ce qui peut se passer pour anticiper. Là, tu peux pas anticiper grand chose, mais en tout cas, j'ai pris un pied fou. Les chronos se sont améliorés au fur et à mesure, et puis voilà, super content d'être avec des amis aussi, hein, Olivier, et puis toute l'équipe et l'organisation d'Hercin Coupigny. C'est voilà, c'était important pour moi d'être là. Thank you.
là après la course de Côte d'Hersin. Conditions compliquées au niveau météo parce qu'il y avait des endroits secs et des endroits humides, notamment dans le sous-bois. Alors entre les deux, ça a dû se tirer la bourre. Qui est devant, qui est derrière? Jusqu'au dernier tour, j'étais devant. Puis Bruno m'a eu dans la dernière, j'étais un petit peu trop optimiste. Trop vite, je sors dans l'air, enfin bref, je repère encore et puis bah, il m'en met pour 6 dixièmes je crois, donc c'est pas grand chose. Donc par rapport à ce midi, Bruno qui disait non, je vais pas aller chercher Alex, tu cachais ton jeu. Oui, c'est toujours dans la dernière, il faut toujours y aller, le vieux, il y a du mal à se mettre en route, mais quand t'as pris, il est chaud, c'est bon. Voilà, non, non, nickel. Donc l'auto tourne à l'essence, mais toi tu tournes au diesel du coup. Ouais, ouais, voilà. Et au regard. Non, non, nickel. Nickel, passer un super week-end avec Alex et tout, c'était le top. Mais le il est plus calme que moi surtout. Donc, bah ouais. Moi j'ai fait trop de bêtises et puis bon, tant pis. Voilà, bah, c'est comme ça qu'on apprend et puis la prochaine fois ce sera le ouais, coup de prendre sa revanche. J'étais trop chaud à chaque fois, la prochaine fois il faut que je me calme. Là j'étais trop chaud, je voulais tout le temps lui en mettre et puis j'en mettais et puis dernier tour j'ai fait de la merde et puis bah il est devant. Bon, tant mieux pour lui, heureusement. Heureusement qu'il est devant, c'est sa voiture. Ouais. Bon, en tout cas, félicitations à vous deux. La bagarre a été belle, du coup. Ouais, ouais. Le plaisir était là. Oh oui, oh oui. Donc, ouais. Bah, félicitations à vous deux. Puis, et bah, je voulais remercier aussi tous nos sponsors. Parce que sinon, on ne courait pas grâce à eux. C'est à cause de qu'on peut courir. Et puis à Colette tout seul, les filles tout seul. Et à Colette, toutes les filles, toute l'assistance et tout. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, félicitations. Donc, effectivement, sans sponsor, c'est compliqué de rouler. Ouais. Donc, je pense qu'il y a du monde qui vous suit. Ouais. Donc, heureusement qu'ils sont là. Et puis, bah, encore félicitations. Et puis, je pense qu'ils seront contents de vous voir au niveau des résultats. Donc avec Gilles Berger qu'on retrouve là à la course Hersin. Donc la revanche a été prise par rapport à la dernière course de côte, premier de classe là de ce que j'ai entendu. Donc déjà félicitations. Merci. Et par rapport aux conditions du coup qui ont été un peu compliquées parce que changeantes tout le long de la journée, ça a donné quoi la course? Bah disons que j'ai un nouveau châssis que j'ai essayé à la première course de côte à Saint-Pierre de Varangeville. Donc j'ai un peu des doutes sur l'ensemble. Là dans la nuit j'ai grugé mes pneus pour avoir des pneus pluie. Le ressenti était bon et même excellent. Et on a ajusté un petit peu et je pense que le châssis est une bonne augure. Il est très bien. Donc on a pu suivre pendant une paire d'années les résultats sur les rallyes où là c'était déjà des très bons résultats. La suite en course de côte apparemment s'annonce à la même vitesse. Du coup le même plaisir dans l'auto Voire plus parce que c'est très intense. Ça demande une concentration importante et à être dans le coup tout de suite et à mémoriser les endroits où il faut passer et à être au plus juste et à ajuster la voiture au mieux. Et c'est très enrichissant on va dire. Très épuisant, mais très enrichissant.